Nous nous trouvons devant le buste de Jean-Benoît Désiré Cochet, plus connu sous le nom d'abbé Cochet, cet abbé qui fut conservateur au musée des Antiquités à partir de 1867. L'abbé Cochet est en quelque sorte une figure tutélaire pour l'archéologie française, l'un des pères fondateurs de l'archéologie médiévale, notamment pour la période mérovingienne, puisque cette personnalité a su, à la différence de ses contemporains, dépasser l'attitude romantique du collectionneur vis-à-vis des objets issus du sol, et Cochet s'est aussi efforcé de mener de façon plutôt rigoureuse la conduite de ses fouilles. Alors l'abbé Cochet était membre de plusieurs sociétés savantes et érudites à l'étranger, notamment la British Archaeological Association ou encore la Société des Antiquaires de Londres. Et en 1854, il publie un ouvrage d'importance, La Normandie souterraine, monographie consacrée aux sépultures des périodes romaines et mérovingiennes en Normandie. Et dans cette monographie, la spécificité de l'abbé Cochet est de non pas s'intéresser aux objets pour eux-mêmes, pour simplement le petit périmètre de ces objets, mais justement de s'intéresser à ce que ces objets avaient à nous livrer comme information complémentaire. Et je cite Cochet, « Ce que je cherche au sein de la Terre, c'est une pensée, une idée », donc vraiment une démarche complètement novatrice sur le plan de l'archéologie. L'abbé Cochet était en lien, en langue, avec de nombreux érudits étrangers. Il s'est inspiré de leurs travaux et tous ces travaux-là, toutes ces connexions, notamment avec les Britanniques, citons les travaux de Neville, d'Eckelman, de Wright ou encore de Roach Smith, ont vraiment nourri l'érudition de l'archéologie via Cochet en Normandie à cette époque. Donc, le musée des Antiquités a toujours été lié à l'archéologie. Créé en 1831, il présente et protège des éléments, des pièces, des objets qui vont être retrouvés donc, dans le sous-sol normand. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que certains directeurs du musée seront également archéologues et y déposeront par exemple le produit de leurs fouilles. Donc à l'occasion de grands travaux d'urbanisme au XIXe siècle, à Rouen par exemple, de grandes rues vont être percées, des immeubles vont être créés. On va découvrir un grand nombre d'objets qui seront donc présentés au musée des Antiquités. Et c'est toujours la même chose à la fin du XXe siècle, hein, puisque dans les années 70, à la fin des années 70, par exemple, on repense un petit peu le centre-ville de Rouen, d'autres immeubles vont être créés. Et c'est à cette occasion, donc pour la construction d'un immeuble avec un parking souterrain, que l'on va retrouver rue des Arsins de nombreux objets qui sont présentés ici et qui sont donc assez intéressants parce qu'en fait, ils nous présente un petit peu un quartier disparu qui s'est succédé en fait à lui-même, à ce même emplacement. Alors les objets retrouvés par exemple lors de cette fouille rue des Arsins sont relativement intéressants puisque ce sont des témoins de la vie quotidienne des personnes vivant à cette période-là, donc à l'époque gallo-romaine. Et il est intéressant de voir que ce quartier par exemple va être détruit à plusieurs reprises par les flammes. Donc les gens ont bien sûr cherché à fuir en portant avec eux ce qu'ils pouvaient sauver. Et donc malheureusement certains objets n'ont pas pu être récupérés et c'est donc ces éléments que l'on retrouve aujourd'hui. Donc on a par exemple retrouvé des objets réalisés en os, donc avec des ossements d'animaux ou alors des bois de serre. Et ces petits objets comme par exemple ces aiguilles à coudre, ces épingles à cheveux ou alors un objet assez moderne un petit peu, hein, parce que c'est un petit canif avec une lame que l'on peut plier, un petit canif avec un petit décor avec un petit chien par exemple. Et bien ces objets nous renseignent un petit peu aussi sur l'activité de ce quartier à cette époque-là. Il y avait par exemple sans doute des commerçants, des artisans et entre autres un artisan tabletier, c'est celui qui travaille en fait l'os ou le bois de serre. Donc on comprend bien qu'avec ces objets, hein, ces petits objets par exemple, que les archéologues sont des scientifiques, hein, ce ne sont pas du tout ces chasseurs de trésors que l'on peut voir par exemple au cinéma. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ces hommes, ces femmes, grâce à toutes ces découvertes, nous renseignent, nous permettent de comprendre un petit peu comment vivaient ces populations du passé. L'archéologie, c'est vraiment l'art de recueillir des objets du quotidien, des objets très communs,
et tout en fouillant, l'archéologue parvient à reconstituer finalement une société, à reconstituer une vie passée. C'est le cas notamment de ce camé auquel a été confronté donc un archéologue, donc une archéologue qui s'appelle Dagmar Lucas, à l'occasion en fait d'une fouille archéologique préventive au sud-ouest d'Évreux par l'INRAP en 2006, donc avec le contrôle du service régional de l'archéologie de la DRAC Normandie, qui a permis donc de découvrir ce camé. Alors il est exceptionnel à plus d'un titre. D'abord par sa nature, par la qualité de cet objet d'art et cet objet de valeur, donc qui a été sculpté dans une pierre dure, donc qui s'appelle l'onyx. Et donc ce camé représente ici donc Minerve, qui est ici dans la posture de la victoire sur un char. Elle porte ici donc tous les attributs qui permettent de la reconnaître, à la fois la lance, le bouclier avec la tête de gorgone, un casque corinthien et une cuirasse. Et ici, on a la chance d'avoir vraiment le lieu de découverte très précis de cet objet. En l'occurrence, il a été retrouvé en gros dans ce qu'on pourrait appeler la salle de bain d'un grand propriétaire terrien qui habitait dans ce qu'on appelle une villa, donc un domaine terrien dans sa partie domestique. Il montre aussi le statut social du propriétaire de cette villa et du propriétaire de cet objet au IIe siècle de notre ère dans le nord de la Gaule. Par le biais de cet objet, on voit bien ici les deux faces en fait finalement de l'archéologie, à la fois conservation d'objets et mise en contexte de ces objets. Et le musée participe ici complètement à la construction de ce savoir. Les migrations vikings ont laissé très peu de traces matérielles en France, si bien que dès que nous avons une découverte archéologique en lien avec les vikings, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et parmi ces rares trouvailles archéologiques en lien avec les vikings, on peut citer justement cette paire de fibules retrouvées sur le site de Pitre, donc Pitre étant une localité se trouvant sur la Seine en amont de Rouen. Pitre, au Moyen-Âge, enfin voilà, entre l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, Pitre était un castrum impérial romain, mais qui tomba, justement, une place fortifiée, par la suite reprise par les autorités en fait en place au Moyen-Âge, et place forte qui fut reprise en 855 par les Vikings. Ces fibules sont des bijoux en fait portés par une femme viking, et effectivement, autre point d'importance pour ces pièces, il s'agit là, avec la sépulture en bateau de l'île bretonne de Groix, donc dans le Morbihan, des seuls éléments archéologiques funéraires attestés pour les Vikings en France. Et nous avons là également les seuls bijoux scandinaves retrouvés sur le sol français. Donc les fibules sont des éléments de parure qui sont issus de l'Antiquité tardive et que l'on retrouve très fréquemment pendant le Haut Moyen-Âge. Tout simplement, qu'est-ce que des fibules ? Ce sont des épingles qui sont destinées à retenir les extrémités d'un vêtement. Je vais retourner là les deux fibules de Pitre et vous voyez en place le système d'attache toujours en place mais privé de son ardillon. L'ardillon en fait c'est la petite épingle qui était justement prise comme ça. Il faut imaginer l'ardillon en fait qui pivotait comme ça, qui se glissait, qui se coinçait dans le petit rabat parce que l'idée était bien sûr de bloquer la pointe de l'ardillon et de ne pas se piquer. Et donc vraisemblablement on passait cette épingle à travers la fibre textile comme ça. Voilà, donc du bas vers le haut. Alors, sur le plan technique, ces fibules sont dans un matériau de type bronze, plus précisément un alliage cuivreux, qui, comme vous pouvez le voir, en fait, a été doré. Et donc, il s'agit de fontes, donc des fontes réalisées à l'aide d'un moule à deux valves. Et donc, après donc, la fonte, en réalité, ces fibules ont été réalisées en deux temps, puisque sur chaque fibule, vous avez d'une part une coque ajourée, que vous voyez ici, la coque ajourée, qui est assujettie, en fait, qui est fixée, qui est rivetée à une coque pleine, donc la coque qui est là. On voit très bien les petits rivets hein, qui se trouvent ici, d'ailleurs certains sont manquants.
Donc, et c'est exactement la même chose pour la seconde fibule. Sur le plan du décor, outre la dorure de la fonte, vous avez tout un décor d'animaux stylisés et d'entrelacs de monstres. Et ce type de décor, ce type d'objet, on peut le lier à un type d'objet qu'on appelle le type 37 de Peterson. Un type d'objet attesté à la fois en Scandinavie et dans les îles britanniques et que l'on peut associer à une production norvégienne. Alors effectivement, les migrations vikings ont laissé très peu de traces matérielles en France et sur le continent pour la simple et bonne raison que c'est une population qui s'est assimilée très rapidement. Alors, qu'est-ce que des vikings? Les vikings, ce sont des Scandinaves qui plus spécifiquement en fait sont des marchands, des explorateurs ou des pirates. Et ces vikings ont tenté de conquérir une bonne partie du Val-de-Seine. En 887, ils vont être vaincus par le comte Eudes de Paris, ce qui explique justement l'arrêt porté à leur progression, mais en même temps, ils vont pouvoir conforter leur position en Normandie. Ils vont tellement la conforter, cette position, qu'en 911, un traité va être signé, le fameux traité de Saint-Clair-sur-Epte, où Charles le Simple va faire accord avec l'un de leurs chefs, Rollon, leur donner l'autorité sur Rouen et sa région, en échange d'une protection accordée au royaume. Ce qui est effectivement intéressant avec les fibules de Pitre, c'est que souvent, en fait, on a une vision assez réductrice du phénomène viking. On considère le phénomène viking, on le lie à des raids, à des destructions, à des pillages, mais l'on peut aussi penser phénomène viking en matière, en termes d'échanges culturels et d'échanges matrimoniaux. Comme je le rappelais tout à l'heure, le cimetière de Pitre était un cimetière chrétien. Donc avoir une sépulture de femmes vikings montre qu'à cette époque, au Moyen-Âge, un cimetière chrétien mérovingien pouvait très bien accueillir une sépulture scandinave de femmes vikings. Alors nous ne savons pas si cette femme était toujours païenne ou si elle s'était convertie à la nouvelle religion, mais nous avons un exemple fort intéressant d'échanges matrimoniaux entre des locaux et des individus scandinaves. Donc c'est ça qui est tout à fait passionnant.